Et salut à tous, c'est Gasekinito. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 44e épisode et notre première demi-finale de Ligue des Champions Asiatiques. Ouais, ça fait plaisir, ouais, je vais pas te mentir, ça fait plaisir. Donc, on va rencontrer Ulsan, une troisième équipe coréenne d'affilée, hein. Ils sont actuellement deuxième, du coup, de leur championnat. Et de l'autre côté, ce sera donc Al Hilal face à Al Ahly. Il va falloir voir un petit peu ce que ça donne, mais là je suis tout excité. Je préfère vous le dire, je suis tout excité. C'est notre première demi-finale de Ligue des Champions, alors là faut pas déconner. Non mais c'est clair, faut pas déconner, pas déconner. Donc alors si on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, eh bien je crois qu'on s'était quitté après le match de Fukuoka, on a gagné en coupe, voilà 4 à 0 et 1-0 face à Osaka, on a fait tourner. J'ai mes joueurs qui sont frais normalement pour ce match. Tout devrait aller comme prévu. On n'a toujours pas perdu un seul match depuis le début de l'année. C'est quand même intéressant de le noter, hein. Quand même intéressant de le noter. Et donc, eh bien, on va espérer continuer, faire des victoires et des victoires et des victoires en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut aller chercher cette finale. Donc, on a malheureusement Nagelchouin qui est suspendu. Voilà, bon, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. On a Goretzka qui va prendre sa place. On a Enubir qui est blessé aussi. Donc, voilà, il y a une petite blessure dans la victoire 4-0 face à Kofoul, le 4 avril, en coupe. Et Laker qui revient que dans 7 jours, qui sera là probablement pour le match retour, mais il n'est pas là pour ce match-là. Donc, eh bien, il va falloir être bon. Il va falloir être bon sans eux. Alors, on a quelques joueurs sous le coup d'une suspension, notamment Doc. On a également, je crois, ouais, voilà, on a Kessler aussi qui est sous coup d'une suspension. Alors lui, il faut qu'on le protège, hein, parce que vraiment, on compte beaucoup, beaucoup sur lui dans cette double confrontation et pour la finale, si jamais finale il y a. Donc, il faut qu'on le protège beaucoup, beaucoup lors des matchs qu'il y a entre, etc. Il faut qu'on fasse attention à son physique, etc. Parce que c'est quand même notre meilleur joueur, hein, voilà, très clairement. Là, cette année, il a encore à 12 matchs plus 3 en tant que remplaçant, 10 buts, 4 passes décisives. Voilà, ça te donne un petit peu le truc. Hein. 7,73 de notre moyenne. En championnat, il a 8,32 de notre moyenne. En Ligue des Champions, il a 7,38. Donc c'est quand même. Voilà, il faut faire attention à lui, il faut le protéger. Donc écoutez, bah, mesdames et messieurs, sans plus attendre, hein, voilà, on reçoit Ulsan. Alors vous savez que j'aime pas recevoir en premier. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave, on va quand même recevoir en premier. Donc j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Donc on reçoit Ulsan en premier, demi-finale de Ligue des Champions. Match aller. On se retrouve à la fin de ce match pour faire le débrief, comme d'habitude. Bon match à tous. La première demi-finale, on reçoit ce fameux club coréen. Le fameux club coréen. Ils sont, je crois, en tête du championnat de Corée. Anxieux, en proie au doute. Oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est la merde. Ça y est. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à les motiver. Bon, c'est bon, j'ai réussi à les motiver tous. Alors, on y va. Il faut un gros résultat, le match aller. Bidano, couture-toi pour garder l'étage de la plus belle des manières. Kessler. Dommage, ouais, Kessler. Et Kessler, on compte sur toi aussi, hein. Faut mettre des gringas, hein, frérot. Oh là là là, ça y est. Ça va être le même match que le quart de finale aller, vous allez voir. Je vais avoir full occasion, je vais mettre un but et je vais en prendre un à la fin. Kessler? Oh là 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 là. Oui. Excel, mesdames et messieurs. Et quand vous Le avez des capuchef de cette problèmes, équipe, sur un si vous êtes service en de déroute, Kessler. donnez-lui le ballon. Ce joueur est unique. Le joueur public a encore frappé. Ça, c'est moi qui Excel. Héros de tout un peuple. Citoyen modéliste. Attention. Non, pas leur première occasion. Pas leur première occasion, s'il vous plaît. Le jeu, s'il vous plaît. Allô? Bien joué, Bidano. T'as pu jouer à gauche, hein. Bien joué, ça. Et merci infiniment à Youssi qui nous donne 100 bits, allez!
Oh là là, ce qui... Putain, mais il donne l'un à l'autre, hein, bon Dieu! Eh bien, bonjour, comment il va, Lucchini? J'ai raté quoi du parcours en CL? Bah, rien, hein. On était en quart de finale, là, on est en demi, hein. La dernière fois, on s'est arrêté en quart. Là, on est en demi-finale, c'est la demi-finale, allez! Merci infiniment à toi pour le soutien et les 100 bits, bien sûr! Docteur Dimitrus, pour Yusinkus, le Bretonus pour Etilus. Docteur Dimitrus. Qu'est-ce les Russes? Ah, Gringus, Gringus. Allez, allez. Oh, le centre était magnifique, mais qu'est-ce qu'il loupe, hein? Alex Jivus, t'as un tocard. Voilà. Ça, c'est Alex Jivus. Voilà. Tiens, dommage, Goretzka. Encore? Allez, Goretzka. Allez, Goretzka! Putain. Ah, mon Dieu, j'y vais. Qu'est-ce que t'as loupé? Ça fait déjà deux qui loupent terrible. T'as là 12 minutes de jeu, on est en train de les pulvériser. Absolument marqué, là. Oh la vache, putain, il a failli marquer un but d'anthologie. Oh. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Non mais on se frappe cette quadrille à 74 DG. Ça commence, ça commence. Le gardien a déjà 8,6 en face. Hein. Et voilà. Il n'y a rien, je suis sûr. Allez, revoyons ensemble, voir ce qui s'est passé. Ah si, hein, il l'a poussé. Hein. Tocard. Ouais. C'est pas Duality qui l'a poussé, c'est Aga. Voilà, première frappe cadrée. C'est un penalty. Putain, ça dégoûte. Je suis en train de les éclater et je prends un vieux penalty pourri, là. Bien joué, petit filou. Bien joué, ça. Allez, allez, Alex, là, faut y aller, cours un peu ta race, là. Il branle rien, lui. Deuxième frappe cadrée, deuxième but. Ah non. Ah si. Ça leur revient dans les pieds. Oh là 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 là. Bien joué. Allez, Kessler. Allez, Kessler. Boum. Corner. Putain, il fout tellement de carnage, le Pio. Bah, montrez-nous le corner plutôt que de nous montrer ça, là. Il n'y a pas rouge, hein. Attention, monsieur l'arbitre. Le jeu Bidano. Le jeu qui nous veut du mal. On le sent, on le sait. Tous les jaunes que j'ai, à mon avis, je vais prendre un rouge. Je fasse des changements. Jouer ça, allez, va! Oh là 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 là, c'est pas possible.
Ouais, gros, le gardien, c'est Neuer. Ah, ça dégoûte. 2-17, dit que j'ai. Eh, allez vous faire enculer, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Putain, j'ai que des jaunes. Oh là là. Bon, bah, Tibat sort. J'ai peur du rouge pour lui. Eux, j'ai peur aussi, mais j'ai personne. Ça, je pense. Est-ce que je ferais pas entrer Frifonz à la place de Xexel qui a un jaune aussi? Il a mis un but, mais il a que 7-20. On va faire trois changements à la mi-temps, les gars. Là. Les cartons jaunes me font trop peur en fait. Là. Non, on peut... de FM, non. Sur FM, non. On peut pas l'enlever, priorité de match. Jouer Kester, allez. Kester, il faut que je le laisse jusqu'au bout, il peut faire la diff, lui. Hein. Il est trop fort, lui. C'est bon, je le laisse. Donne-la, voilà. Allez, Doc. Allez, Doc. Allez. Allez, gamin. Penalty. Comment ça? Mais siffle un truc, là. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Bon, Red Cup, mesdames et messieurs. Petit ce corner avec l'énorme tête. Oui, Goretzka. L'expérience, c'est bien sûr. Notre bon vieux Léon qui vient mettre cette tête. Allez, bordel. Eh, chopez le Kun-Kun, chopez le Kun-Kun. Jouer, allez Alex. Kessler, Kessler, Dylan, Frifonz, Frifonz, 3-1. Il est hors jeu. Il me saoule, casse-toi. Il m'énerve, j'en peux plus. Je mets FMZR, j'en peux plus. Il me rend fou. Il me rend trop, trop fou. C'est bon, il m'a gonflé. Et on va échanger les deux. FMZR, tu vas passer faux neuf et on va mettre petit filou en neuf. Je vais Goretzka, allez, avec Kessler. Va, va, change. Trop tard. Va maintenant. Allez, va, va provoquer, va. Mais bon Dieu, fais accrocher. Hein. Tu as tout droit sur lui. Va jouer ça, allez. Ah bah c'est, non mais c'est... Le jeu, il est en train d'essayer de m'enculer encore une fois. C'est un truc de fou. Hein. Combien de poteaux j'ai tapé là? 3? Au moins 3, non? Deux. Et par jeu? Il est pas en jeu? Et voilà, le coaching gagnant. Voilà, monsieur! Un dernier éclair! La foudre vient de s'abattre sur le Parc des Princes!
Oui, monsieur. La foudre qui s'abat, bien sûr. Avec Trifonce qui est à la passe pour petit filou. Il a fusillé le gardien. Oh la vache, putain. On continue pour être tranquille au retour. Ouais, mais il faudrait, regarde-moi ça, je suis en train de les pulvériser. C'est quand même fou que j'y arrive pas à... creuser l'écart plus que ça, quoi. Goretzka pour le doubler, non. Trifonce, donne, et petit pilou, boum. Oh, Kessler, putain, mais c'est... Hey, c'est hey. Le gardien d'en face, il va finir avec 19 de notes alors qu'il aura pris 3 buts. C'est quand même une dinguerie. Hein. il a. Le chic gagnant, mesdames et messieurs. Voyez, monsieur. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Oui, ça fait qu'après un petit filou. Petit filou qui vient du centre de formation et qui nous sort une masterclass. Allez, ça, le contrôle orienté. Ça dépose le défenseur et la pied gauche, paf, pied filé. Terminé, monsieur. Et par contre, Olson, 3 passes D. Hein. Olson, il fait encore un match extraordinaire. C'est vraiment... Il est complètement incroyable, hein, ce gamin. J'espère que je vais gagner avec des champions cette année, parce que... Parce que je vais le perdre, je pense, cet été, je pense qu'il part. Quoi qu'il arrive, je pense que cet été, il part. Là, je vais Bidano. Pas prendre d'autres buts, hein. C'est vrai qu'il y a les buts extérieurs, faire gaffe avec ça. Côté, voilà, allez, vas-y, va. Va, on va mettre le cinquième. Femzer ? Dommage. Un petit quelque chose, hein, monsieur l'arbitre. Ça aurait mérité qu'on regarde à la VAR. Oh putain, c'est dommage, un but pour lui, ça aurait été bien, là. Ah, ça aurait tellement récompensé son match. Non, 4-1, let's go. Oh, on a un pied en finale, les gars, on a un pied en finale. Il nous reste que le match retour, et puis après, on est en finale. Oh, c'est beau. On a joué, les gars, belle victoire, et hop, match retour. Maintenant, faut pas de choc. Oh mon Dieu, qu'elle fait du bien cette victoire, hein, au match aller. 4 buts à 1, on les a détruits encore une fois. Mon équipe prend de la maturité, etc. et devient injouable, hein, vraiment, hein, en tout cas face à ces équipes-là. Alors, faudra voir si jamais on se qualifie vraiment pour la finale ce que ça va donner. Mais face à ces équipes-là, coréennes, japonaises, etc., je suis injouable. Vraiment, là, c'est abusé. Hein. Donc, Goretzka qui a marqué. On a également Xexel qui a marqué. On a Petit Filou qui a marqué. Alors, Petit Filou, Non, mais Petit Filou, c'est un festival. Hein. Regardez ça. Regardez encore comment il progresse. Il est déjà passé à 13 en dribble, 13 contrôle de... Enfin, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Je crois qu'en 100 fois, il avait 7 au tout départ. Je suis pas sûr. C'est un truc comme ça. Hein. Ah, il avait 7 au départ. Le voilà à 11 désormais en moins de 2 ans, les gars. Vous vous rendez compte un petit peu la progression de fou qu'il a eu, ce monsieur. Donc voilà, bah, ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir. On va pas se mentir. Ça fait plaisir. Avec encore eh bien Kessler qui nous fait un match extraordinaire avec 3 passes décisives. Voilà. Hein, voilà. Et puis, malheureusement, on va encaisser quand même ce but sur le penalty. Donc on va... tout de suite aller voir ce qui s'est passé entre les deux matchs et puis on va tout de suite aller match retour, hein. Match retour, demi-finale, hein, les gars, on va regarder un petit peu ce qui se passe, hein. Donc on a gagné 6-2 en faisant tourner face à Tozu. Je crois qu'on faisait un match c'était à la mi-temps, c'était un peu, il y avait 2-0 je crois, et en deuxième mi-temps on les a fracassés, hein. On les a complètement fracassés.
Donc, match retour. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'on a beaucoup, beaucoup de joueurs sous le coup d'une suspension. On a le latéral droit, le latéral gauche, on a un défenseur central, on a également Aga, on a aussi Xexel, on a Kessler. Enfin bref, il y a du monde quand même qui est sous le coup d'une suspension. Donc j'espère que ça va aller. Sinon, j'ai quasiment tout le monde qui est de retour, sauf Enubir, hein, qui reste toujours 4 jours de blessure. Donc voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est ceux qui s'étaient blessés dans le match de coupe avant. Donc écoutez, mesdames et messieurs, on y va, ouais, demi-finale retour. Ouais, demi-finale retour, donc là, il faut se qualifier. Il faut aller chercher notre billet pour cette finale. Et puis, aller rejoindre, bah, soit c'est Al Ahly ou Al Hilal, je sais plus, c'est qui en face, je m'en rappelle plus. Donc il faut valider notre billet. Il faut valider notre billet et bah, faut pas de choc à l'extérieur. Donc on va voir un petit peu de quel bon on chauffe. Et si on est capable de ramener même une victoire de l'extérieur, ce serait plutôt pas mal. Donc, mesdames et messieurs, on se retrouve à la fin de ce match pour faire le débrief, voir s'il y a eu une remontada. Et s'il y en a eu une, et ben, voir le dépit dans lequel je me retrouve. Et puis, ben, c'est tout, quoi. Hein, mais voilà, on se retrouve à la fin du match pour faire le débrief comme d'hab. Bon match à tous, les gars. Allez, au déplacement en Corée du Sud. Pour la troisième fois d'affilée après les huitièmes de finale où on a éliminé une équipe coréenne. Quart de finale où on a éliminé une équipe coréenne. Et une demi-finale où on rencontre une équipe coréenne. Est-ce que oui ou non, nous allons valider notre billet pour la finale? C'est pas... c'était pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut être grand. C'est aujourd'hui qu'il faut être beau et fort. Alors c'est parti, on y va. T'es qualifié pour la finale, ok. LDC, c'est Ligue de Corée, en gros. Ouais, c'est un peu ça, ouais. 9-1 contre une équipe coréenne en demi. Ah, ouais, je suis remis 9-1, ouais. Putain, moi, je suis... Ouais. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, moi, ça se trouve, mon équipe, elle est un peu moins forte que... Que les votes, quoi. Après, moi, je joue beaucoup avec les jeunes et tout, hein. J'ai peur de... En fait, j'ai peur d'aller en finale et de me faire déglinguer, quoi. Sur les deux matchs, oui, bah oui. Bon, déjà, faut se qualifier. Oh, le poteau encore, ça commence. Ça commence, ça commence. Salut, Xexel. Xexel qui avait ouvert le score dans la demi-finale. Allez, bien sûr. Bidano, faut être grand, là. Voilà, ce qu'on veut. Tu vois, il faut lui parler à son gardien. Je me casse après, plein le fiac du calendrier japonais en intersaison 2026-2027, départ en vacances. J'ai peut-être quelques retours au calendrier. Ouais, non, mais c'est clair, c'est. Le calendrier japonais, c'est costaud, hein. C'est costaud, hein. Commence février, tu finis en décembre. Et encore, des fois, tu finis même en janvier parce que t'as la finale de la Coupe du Japon. Il y a énormément de matchs, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Hors-jeu? Ah, hors-jeu. Allez, hein. Pour l'instant, on tient le choc. Assez easy. D'ailleurs, c'est quoi le score là? Chez les autres là? On sait pas. Petit filou? Petit filou? Petit filou? Oh, bien joué! Oh là là, mais c'est pas vrai. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il loupe lui hein? Qu'est-ce qu'il croque, Alex? Au Japon, ce que je vois, ouais, bah ouais, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Division inférieure, Nichou. Je pars de division inférieure. En Afrique du Sud, je partirais de division 2, par exemple. Enfin, j'essaierai de trouver un club en division 2, quoi. Afrique du Sud, tu joues en mode pour 15 jours, c'est trop rapide. Ah ouais? Il y a moyen de farmer des liens verts de zinzin alors. Mettant des matchs amicaux toutes les semaines, quoi. Ça va être cool, ça. Oh, je pense qu'il vient de louper.
Je pense pas, Yaref, non. Je pense pas. Faut démissionner si on ne sert pas les frais du sud. Ouais, je démissionnerai. Ouais, parce qu'ils pourront pas payer le... l'indemnité. Ouais, ils payent pas. Ouais. Hors jeu, monsieur l'arbitrage. Pour l'instant, ça tient. Ça tient, les gars. Il n'y avait pas hors-jeu ? Attends, je crois qu'il y avait hors-jeu. Bien joué ça, allez. Je sais rien qu'on voit quand même quelques occasions. Après, on tient largement. Hein. Ah, la finale, j'ai très peur, les gars. Hein. Je pense qu'on va y aller en finale, mais j'ai quand même très peur. Hein. Excel ? En fait, ils ont des joueurs tellement incroyables. Alitia et tout. Oh non, c'est Excel, le capitaine qui prend en rouge. Putain, mais quel connard! Putain, 52e quoi. Il va louper la finale. Ouais, je sais bien. Après, ça va, j'ai pris fond, ce qui est bon quand même. Il est suspendu 2 matchs du coup là. Attends, parce qu'il faut déjà qu'on y aille en finale, parce que là on est capable de prendre 3 buts. Hein. Si on fait 3-0, les gars, on est c'est eux qui passent. Hein. Si on perd 3-0. À cause des buts à l'extérieur. Donc attention. Putain, mais quelle faute con, quoi. Pourquoi il fait ça? En plus, c'est le citoyen modèle qui fait ça, le seul de l'équipe, tu sais. Ah, il y a les buts à l'extérieur, les statistiques. Bien joué, allez. Bien joué ça. Allez, petit filou. Petit filou. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il loupe. Oh la dinguerie. Je vais faire entrer Goretzka. On va faire 4 changements là. On va commencer à demander à gagner du temps, je pense, les gars. On va jouer ça. Allez. Allez, Doc. Pas gamin. Bien joué ça. Voilà, Dagueltouin! Un dernier éclair. Avant de sortir, mesdames et messieurs! La foudre vient de s'abattre sur le porte-bras. Ah, maintenant, allez-y pour m'éliminer.
Alors vous avez déjà 12 minutes pour mettre 4 buts et pour aller en prolongation déjà, pour commencer. Allez-y, on vous regarde, les mecs. On va sortir petit filou. On va mettre Flemzer, je pense. Non, Frifonz. Allez, Trifonz. Bon, bah, on est en finale. Hop, gagne du temps, vas-y. On s'en fout. C'est juste histoire de. On est en finale, les gars. Officiel, nous allons rejoindre l'équipe, une équipe d'Arabie Saoudite. Je sais pas si c'est Al Hilal ou. Je sais plus c'était qui. Al Hilal ou. Je me rappelle plus. Bah, on va voir ça. On va voir ça. C'est comme ça qu'on gère un affrontement à l'air tour. T'as bien joué, exactement, mesdames et messieurs. Nous sommes en finale. Et ça, c'est bon. Mais bien voilà, en fait, on va même aller s'imposer à l'extérieur. Elle est pas belle la salade. Alors malheureusement, on a pris un rouge. Il a fallu qu'on prenne un rouge quand même, 53e minute. Hein. Bon, ça c'est chiant parce que du coup, bah, il va louper le match aller de la finale. Donc ça c'est chiant. Alors je pensais qu'il allait louper les deux matchs de la finale. Et non, finalement, c'est un seul match. Hein. Un carton rouge, je dirais que c'est un seul match avec des champions asiatiques. Bon, ok. Donc on a Paolo Bernardo, notre ami Nigel Chouin, qui a marqué à la 79e minute. Et bah voilà, on va devoir se passer du capitaine pour la finale, mais on valide notre billet pour la finale de la Ligue des Champions, les gars. Voilà, ça y est, on est en finale Ligue des Champions. Alors, ce sera face à Al Ahly. Alors, vous verrez dans la prochaine vidéo, on va regarder, on va faire un tout petit tour de leur effectif. Et vous verrez qu'en fait, bah, on est bien lotis, parce que je pense que c'est la meilleure des deux équipes à affronter, en fait. Hein, parce qu'en demi-finale, c'était soit Al Hilal ou Al Ahly. Et Al Hilal, pour moi, était plus fort que Al Ahly. Bon, voilà. Après, ils ont gagné au but à l'extérieur. Ils ont eu un peu de chat. Je pense que voilà, l'autre équipe, Al Hilal, était plus forte. Donc, je pense que. Alors, ce qui est bien, c'est que je commence à l'extérieur. Donc, ça, c'est très bien. Ça, j'adore. Et on espère que ça va bien se passer. Après la demi-finale de Ligue des Champions, on a fait un match nul face à Kawasaki. On a gagné 7-0 ensuite face à Kofu en Coupe de la Ligue. Kofu, qui sont en deuxième ou troisième div. Hein. Kobe on a gagné 6-3 avant de s'imposer 2-1 dans le derby de Yokohama, dans lequel j'ai fait tourner, hein, vous vous rendez compte, j'ai fait tourner, et ils sont 8e, hein. Ils sont 8e, donc là en championnat, bon, en championnat, on est... en championnat c'est... on s'amuse, hein, voilà, on s'amuse, hein. 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 38 points déjà, 9 points d'avance, donc ben, on espère que ça va le faire, pour cette finale, ce sera peut-être notre dernière année ici les gars. Peut-être notre dernière année, voilà, peut-être, c'est peut-être la dernière, c'est peut-être la dernière. Donc on va essayer eh bien, de se retrouver dans la prochaine vidéo pour cette finale de Ligue des Champions. Soyez au rendez-vous, mesdames et messieurs. En attendant, passez du bon temps sur le jeu, bande de chipolettes, des bisous et ciao.